Yon l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec l'équipe TV Caraïbes et puis mon bas de police, c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi a nous parler vite au côté une nouvelle stricte politique ici dans Haïti. Mais avant nous faire ça, équipe TV Caraïbes veut remercier tout le monde qui toujours branché TV Caraïbes pour information pays. Et un gros remerciement avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici dans mon bas de police, équipe TV Caraïbes nous apprécier ça. Et si c'est première fois visiter nous, information nous partager ou intéresser, pas oublier abonner avec TV Caraïbes et puis ouvrir chaîne notification. Ça pourra le permettre de faire partie équipe notification TV Caraïbes. Eh bien, nous pas perdre de temps, nous avons déroulé avec information. Yo. En nous, mouvement pour une candidature unique, c'est non un nouveau stratégie politique qui fait lancer ici dans Haïti. Eh bien, ces informations, ça nous porter pour nous pas perdre de temps. Nous avons commencé coulier. A fait promotion pour MCI en Haïti pour que nous capables de rassembler les choses dans les affaires politiques du pays. Donc, constat que nous avons fait à travers MCI, et bien nous avons 216 ans passés, 34 ans après 86, et bien nous avons ces mêmes vêtements qu'à jouer. Et bien nous disons que nous avons pour aller chercher. Nous devons essayer de tirer l'inconnu. L'inconnu qui s'allie sont union, qui pour que jamais fait vraiment. Pour des hommes et des femmes qui aiment le pays, surtout ça qui vivent dans la diaspora, et bien pour nous mettre nous ensemble, pour nous dire pays ça, de Saline de Banouan, Henri Christophe, Capalamor, etc., à tous nos compatriotes, nous disons nous besoin de leader, nous besoin de visionnaire, nous besoin de rassembleur pour capable de loger mais à la manière de Paul Kagame, si nous sommes capables de prendre exemple ça à Rwanda, après 25 ans, je me suis dit qui ça à Rwanda est devenu. Et bien ça, c'est un objectif premier MCI, c'est joindre nos leaders, joindre nos rassembleurs, joindre nos visionnaires pour capables de rassembler tout petit pays, dit pas qu'un haïtien ici, ni haïtien l'autre bord, parce que nous c'est haïtien, et bien entre côtoyer. Vine mettre pour que nous capables hisser drapeau haïtien en plus haut et bail pays a nous te gagné d'entendre l'appel des Antilles. Et je dis à là Haïti de l'appel des Antilles, mais ça peut qu'on gagne réseaux sociaux non pour qu'on gagne quatrième génération ça qui développé actuellement. Mais je dis à là tout le monde qui l'a, ouais, je dis à c'est je dis à nous venir reconnaître l'autre, ça fait ça grâce à la magie de la technologie. Ça va dépendre ou même comment utiliser les technologies à présent. Et bien c'est objectif MCI, c'est créer un leadership collectif. Parce que je dis à pas qu'on est capable de retirer le pays dans sa lia là, seul ou même. Non, c'est toute une équipe. Et pas oublier, nous un miracle. La France a fait dans le football là, et bien son équipe, oui. Équipe là, elle gagne combien de joueurs, elle gagne un entraîneur, elle gagne, etc. Un président là, elle organise, et bien, mais résultat, la France est son champion dernier dans le mondial. Et bien, c'est ça nous-mêmes, nous cherchons à travers MCI, c'est mettre l'équipe sous pied. Et l'équipe là, déjà, et en route, oh, nous gagnons 9 et membres fondateurs qui là. Et nous gagnons des délégués à travers tout le pays. Par exemple, nous gagnons plus que au moins plus que 9 délégués. Donc nous gagnons délégués avec nous là. Comme ça, nous avons essayé d'ouvrir Livre MCI. C'est ça que nous venons faire là. C'est à partir d'aujourd'hui, Livre MCI a ouvert. L'ouvrir à travers le monde pour aller chercher tout le monde qui dit au même Haïti. Surtout. La jeunesse montante haïtienne. Qui est dans un pays pauvre? C'est le peuple qui a accès à l'économie. Puisque c'est diaspora qui a 100%, nous prenons habité, diaspora à 100%, l'irresponsable Haïti direct et indirect. Comment? Quel que soit le monde, que ou t'es professeur, que ou t'es un business, si le peuple a un problème, il ne peut pas venir dans le monde. Comme l'État n'a pas arrivé sous peuple là, c'est diaspora qui a pour famille, amis, maman, papa, ménage, qui a accès à dépenser pour l'acheter dans le monde. Ou même qui ont l'école, ou même qui sont professeurs, l'école l'a payé, c'est parce que la diaspora a payé comme là. Diaspora a dit que l'ivoyer 3 milliards de dollars par année, moi je dis non, 7 milliards. 3 milliards c'est ça qui vient dans le bureau de transfert. 7 milliards, nous comptons comment? Tout le conteneur est fini, nous payons pour eux.
tout drone qui est dans le pays pour eux. Chaque diaspora qui rentre à Haïti, au moins chaque jour, 5000 diaspora qui rentre, chaque entre au moins pour Bébéti, 1500 dollars pour jour pour Bébéti. Là, valise, on tient enveloppe jaune. Et tu vas dire ça à moi, ça va passer dans le contrôle là. Sous chaque ticket d'avion, diaspora paye un combat plus pour le gouvernement. L'homme de la douane, c'est diaspora voué par la mine. Qui donc? Tout comme ça, nous voyons, nous faisons un an, nous tournons côté au sortir, dans la continuation sur l'éducation, c'est le même, qui va camper sous un et du tout, mais les études passent nous. Égal, pour que nous fassions tout à fait bien dans le pays, il faut que la politique soit stable, et bien si nous voulons faire, nous n'avons pas fait. Voilà. Équipe TVK et Bladi, merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne. C'est TV Caraïbes. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.